Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans une nouvelle série sur Terraria. C'est une série un peu spéciale parce que je suis pas sur le Terraria normal, vous voyez en dessous c'est écrit « Je suis sur N Terraria ». Et c'est quoi ça? C'est un mode qui apparemment rajoute un côté plus RPG, donc avec des levels, des races, des classes, des quêtes dans Terraria. Voilà, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je n'ai aucune idée de comment ça va être incorporé. Je viens tout juste d'ouvrir le mode et je veux découvrir ça avec vous. C'est un mode qui m'a été proposé par Schwepsy. Merci à toi, je te remercie parce que ça a l'air assez intéressant. Donc voilà, c'est pas le même jeu Terraria. Donc là, normalement, j'aurai tous mes players, mais c'est pas les mêmes sauvegardes. Donc on va faire New. Et déjà, je peux faire. Ok, ici on a Human. Human, est-ce que je peux changer? Ok, je peux faire un gobelin. Ok, je prends. A stray goblin hunted by the home type seeking help from Hollywood. Ok, fait qu'on a été un petit peu chassé de notre propre. Par notre propre race. Pourquoi pas? On a ici MPHP, donc c'est. Normalement, c'est stamina point. Je sais pas si ça représente notre point de mana, nos points de vie. Donc on a 85 points de vie. Strength 4, agi, vitalité, intel. Ok, donc je sais pas trop. Comment ça va s'appliquer au jeu, donc la vitesse du. Non, c'est la vitalité. J'en sais rien. On va voir. Je regarde un peu les autres races. Un squelette, ok. Donc, freed from the dungeon. Freed from the dungeon after its lord was defeated. Donc, on a été libéré du donjon. Il y a beaucoup de vie, les autres, mais pas beaucoup de mana. Apparemment. Et le reste, bon, il y a quand même pas mal de vitalité. Oh, ok. C'est quoi cette merde? Zujitak. Notre monde n'est pas about them, but they seem to like plundering. Bon, je me rappelle plus ce que plundering veut dire, mais c'est un peu chelou, hein, comme comme truc. Pourquoi pas? Un démon, ok. Donc directly from the underworld to surface. Donc on vient des enfers. Ils ont pas mal de mana les démons. Puis ça a l'air d'être plus des mages les démons en fait. Et un humain encore. Bon, ben, c'est une race neutre. Donc là, ok. Mais c'est bien de regarder l'humain parce que ça a l'air que les stats de base, je crois que c'est les stats de base du personnage normal, donc il y a 5 de strength partout. Donc là on peut voir que le gobelin il fait moins mal, mais il y a plus d'agilité, donc peut-être plus un archer. Le squelette fait plus de dégâts, donc lui ça doit être un gros bourrin. Lui ça doit être encore peut-être un archer ou quelqu'un qui est rapide, je sais pas trop. Et ça a l'air intelligent, ça c'est définitivement des mages. Je pense que je vais y aller avec... Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Ouais, le squelette, c'est définitivement un gros bourrin. Je pense que je vais y aller avec le gobelin, tiens. Gobelin? Ou le Zujitak? Le Zujitak, j'aime vraiment pas le skin. Non, je vais y aller avec le gobelin. On va voir un peu est-ce qu'il y a des cheveux, gobelin? Non, pas du tout. Si je change la couleur, il n'y a pas du tout de cheveux, donc on va pas changer les cheveux. La peau. Je pourrais la mettre. Ouais, je pense que je vais la mettre un petit peu plus foncée. Peut-être un petit peu plus grise. Je vois plus ça comme gris des gobelins, gris vert comme ça. Ouais, ça me semble cool comme peau. Ensuite les vêtements, bon, oups. La chemise, ça, je vais aller sur des trucs un petit peu plus... là c'est les mêmes couleurs pour tout le monde. Je vais aller sur plus du brun. Pardon, du brun comme ça. Brun gris comme ça. Je vais faire une couleur semblable pour ça, voilà. Le style... Il y a plusieurs styles, je pense que je vais y aller là-dessus, ça fait plus, on dirait plus d'avoir une petite armure là. Ça fait intéressant, ça je vais y aller définitivement gris. Oups. Gris comme ça, et les chaussures je vais les laisser comme ça, bon parfait. On a le petit gobelin. Bon, on va garder un homme hein. Et on va le faire en facile parce que j'ai pas envie de... Bon voilà, on va y aller en facile. Créer, donc on crée un gobelin. Je vais l'appeler c'est quoi des noms de gobelins déjà? Je vais l'appeler Garok, on va dire. Je sais pas si c'est un bon nom de gobelin, mais on va dire que je prends ça. On voit ici un petit 1, donc je pense que c'est le niveau, donc niveau 1 Garok. On va créer un nouveau monde. Enfin, un monde grand. Normal, hein, on va Découverte. On va l'appeler Découverte. Je vais mettre LP pour dire que c'est un let's play. Et ça va être parti. Donc on est parti. Création du terrain, donc déjà on sait qu'on est de la Crimson. Toujours bon à savoir. Et on attend que le monde se crée. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air aussi qu'il y a des nouveaux objets qui ont été rajoutés, des nouveaux mobs.
des mobs qui donnent du loot. Donc voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de contenu hein, dans ce, ben, dans ce mode, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte. C'est un des premiers modes que j'utilise qui change le gameplay. Donc évidemment, j'avais le mode qui rajoutait un mode créatif, entre guillemets, sur Terraria, que j'utilisais pour ma série CVT. Mais c'était vraiment à but pratique que je l'avais pris parce que ça, c'est sûr, ça changeait un peu le gameplay, mais c'était pas vraiment pour jouer, c'était plus pour construire. Là, c'est vraiment un mode qui rajoute des trucs et ça va être vraiment très très cool. J'ai hâte de voir. Donc, vous me direz, pardon pour le bruit, j'ai accroché le bureau. Vous me direz ce que vous en pensez et si la série vous plaît. Donc, voilà. Le monde il va être assez long à créer, donc je pense que je vais faire une petite ellipse et on va se retrouver quand le monde va être créé. À tout de suite. Voilà, le monde est créé. On va mettre en favori tout de suite et on va chercher le monde et on va voir un peu ce que ça donne. Ça a été quand même assez long à créer, finalement. Et oh! Ok, donc déjà, Main New Beginning Talk to the Guild. Ça donne des quêtes, pardon. Weekend bonus, end of week bonus, good lucky day, drop rate increase. Drop rate increase, intéressant. Donc, Maxwell, level 1, damage 10, pierce 0, défense 15. Ok. Toi, monsieur. Wow. Ah! Hello there, you must be new here. Take this, it's dangerous to go alone. Donc, il m'a donné une épée en bois, c'est déjà cool de l'avoir. To acquire fighter class, you need a class ranking 0 supérieur. Ok. C'est quoi ça? Une quête? Slimastic Park 0 sur 5. Donc, kill 7 green slime et kill 5 blue slime. Déjà, ok, donc parfait, on a des quêtes, ça c'est déjà cool, hein? J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Oh! Salut! Je suis niveau quoi? C'est où que ça me dit mon niveau? Je sais pas. Niveau. Ah, ok, non, la forêt c'est de niveau 3. Ah, oh, ok, il y a même des ondes comme ça. Parfait. Allez, slime! Viens, on va regarder. What? J'ai one shot! J'ai one shot le slime. What the fuck? Ok, parfait. C'est où qu'on voit notre niveau? Je veux savoir mon niveau, s'il vous plaît. Si je m'assure sur moi, non, ça me le dit pas. C'est-tu là-dedans? Non. Ça me dit rien ici, donc déjà on va buter ce slime. T'as moi avec un drop rate increase, ça c'est cool. Je crois. Ah non! Ok, ça c'est à cause du mou. Le movement speed des tournesols. Exact. Ah ok! What? Donc, quand je me promène, ça tourne autour de moi, genre le buff? Je pense que ça va être un peu chiant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ok. Donc là, faut que je tue encore 5 green slime et 3 blue slime. Parfait. Toi, est-ce que t'as d'autres choses à me dire? Aide. Non. Et je peux pas avoir tout de suite de. Bon, ok, pas. Pour les classes, là, je vais voir. Dextérité, ça. Ah, ok, je pense que ça augmente. Ah, c'est l'augmentation. D'accord, c'était ça, spend point. Contrôle, je sais pas, c'est quoi que ça fait. Event, c'est quoi? Ah, ok, on est niveau 1 en fait, il écrit ici, je suis débile. Je vais augmenter, c'est. Ok. Ok, on va prendre un certain temps, on va se poser, juste savoir ce qui se passe. Donc, quand j'augmente la strength, ça augmente le melee dommage de beaucoup, et throwing, defense, melee crit et pierce d'un petit peu. Qu'est-ce que ça signifie? On verra bien, mais le melee dommage, en tout cas, pour l'instant, c'est notre épée. La dextérité, ça augmente le range dommage de beaucoup, le range critical d'un peu. Throwing damage de beaucoup, block rate un petit peu, pierce, ok. Mais ça augmente un petit peu 1000 damage, mais ça augmente beaucoup le range, parfait. Agilité, ça augmente 1000 speed, ok c'est le speed. Throwing speed, movement speed, pickaxe speed, dodge rate. Dodge rate, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est, on a une chance de dodge de temps en temps? Je sais pas, on verra bien. La lock, ça augmente toutes les crits. Le loot rate, le loot bonus et autre chose qu'on sait pas c'est quoi. Pourquoi pas. La vitalité, ça augmente la vie. Ok, donc on peut augmenter notre vie comme ça, en fait. La défense, life regen, block rate, immunity rate. Ok, donc ça augmente pas mal de trucs qui ont rapport avec la vie, évidemment. Summon damage. Oh! Oh, intéressant! Max life et ça augmente la vie des summons, donc nos invocations. Ça, c'est intéressant. L'intelligence, ça augmente. J'ai level up! Je sais pas pourquoi. Mais j'ai level up. Apparemment, quand le guide tue quelque chose, ça compte comme si c'était moi qui l'avais tué, donc c'est intéressant. Pas. Écoutez, on a level up, donc là on a 7 sus points, on a 2 points à mettre. Voilà. Ça c'est contrôle les chiffres, je sais pas c'est quoi, mais ah! Ah ok, contrôle c'est pour, mettons que j'ai pris 5 levels, ben là je peux faire chiffre pour en mettre 10 à la fois, ou contrôle pour en mettre 5 à la fois, intéressant. Ok, parfait.
Donc, intellect, ça augmente le dégât magique, évidemment, ça augmente un petit peu le dégât des invocations. Le immunity rate, je sais pas en quoi ça consiste. Mana cost, ça réduit, j'imagine que ça réduit le mana cost. Parfait. Et le wisdom, max mana, ça augmente la mana, ok. Ok, parfait, donc des quests. Je vais aller buter lui déjà. Boum. Oh, là, je l'ai pas one shot ce coup-ci. D'accord. Qu'est-ce que ça me dit leur level? T'es niveau 2, t'as 14 de vie, tu fais 6 de dommage et 0 de défense. Ah, c'est cool qu'on puisse voir le dommage et la défense comme ça. J'ai encore level up. Bon, d'accord. Je pense que j'ai augmenté la dextérité, hein. Et vu que c'est ce qui augmente le plus, je peux mettre 4 points dedans. Ok, j'ai 4 points, donc je vais augmenter la dextérité, spend point. Parfait. Donc là, on est rendu avec plein de dextérité. Boum. Et on va fermer ça déjà. Meurs. Ok, le gel. Ok, mon gel il est là. C'est bon, je me disais, est-ce que je récolte du gel ou pas? Ok, donc ça c'est cool. Attends. Event, class. Ability, c'est quoi ça? Basic ability. Learn the basic about survival on this dangerous land. Every level of the skill increase base level cap by 10%. Unlock first aid, level 10, you can reach the max level of your game mode, plus allow class challenge. Ok, je sais pas qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste. C'est pas très grave, les zones. Create. Change name. Ah! Attends, je vais juste delete, je vais me battre un peu. Bon. C'est quoi ça? C'est. Des zones? On verra ça plus tard, peut-être. Oh. After a decision from Hideo Kojima, all parties will need a company name to be recognized as when playing with other players. Ok, il y a un mode multijoueur apparemment. Oui, bon, mais je m'en fous. World et la quest. Report to the game. Ok, là, faut que j'aille parler au guide, parfait. Et l'autre, c'est quoi? De tuer encore. En fait, j'ai rien d'autre à faire, faut que j'aille parler au guide, tout simplement. Parce que j'ai déjà fini et j'ai tué toutes les 5 qu'il fallait. Meurs! Parfait. On va parler au guide. Yo Jelly, ça m'a donné quelque chose, ça m'a donné quoi? Ah, ça m'a donné une nouvelle quête en fait. Et ça m'a donné une nouvelle quête. Est-ce que j'ai level up? Oui, j'ai level up. J'ai 4 status points. Je suis niveau 5 et j'ai gagné 4 status points, donc intéressant. Hop. Apparemment, on gagne le nombre de levels en status points à chaque fois, donc c'est cool. Est-ce que je continue à augmenter ma vie? Je vais l'augmenter à 5, je pense. Bien sûr, je vais augmenter ma vitalité un petit peu. Ça n'a pas augmenté ma vie. D'accord, ça n'a pas augmenté ma vie, mais c'est pas très grave. Hop. Voilà, je suis encore à 85 de vie totale. J'ai pas de life regen apparemment, ça c'est pas pratique. C'est pas très... Oh! Salut Monsieur Coffre. Ok, donc là, il faut que je fasse quoi? Ok, en fait, faut que je retourne parler au gars parce que... Parce que j'avais déjà... J'ai déjà complété la quête. J'ai level up, c'est une d'XP de tuer ça apparemment. Je vais juste baisser un petit peu mon son à moi, parce que j'avais testé, je pense que votre son il est bon. Il y a une nouvelle quête available, parfait. Je suis rendu niveau premier. Niveau 8 déjà. Ok, ça me donne que j'essaie d'augmenter encore plus ça. Non, ma vie elle augmente toujours pas. Ma vie veut vraiment pas augmenter. Je sais pas comment ça augmente la vie. Peut-être encore en ayant des cœurs en fait. Mais c'est pas très très grave, écoutez, on va voir. Hop. Wow. What? Ok, bon, ben déjà, ça m'a fait level up. Il y a 4 nouvelles quêtes, ok. Ça, c'est daily, ça veut dire qu'à chaque jour, je peux faire cette quête-là. On va la prendre, c'est quoi? Talk to the old man. Ok, c'est une quête pour se rendre, ok, parfait. Flying Eyes, Kill 7 Demon Eye, Zombie Attack, parfait. Fail to get the quest. Pourquoi? I cannot get the quest, c'est quoi? C'est parce que j'ai... Et puis là, mettons que je fais... Allez, comment je fais pour rendre une quête, en fait? Comment je fais pour rendre une quête? Ok. Explique Receive. Ok, bon, parfait. Ça vient de me compléter, je sais pas pourquoi ça voulait pas avant. Là, est-ce que je peux prendre la zombie attack? Merci. Apparemment, j'ai un maximum de kites que je peux avoir à la fois, donc je pense que ça doit être genre 5. Et je pense que je vais mettre Ranger.
Ça, c'est des tutoriels, donc je vais pas faire ça tout de suite. Je vais faire un ranger. Et il faut que je tue 10 Demonize. Donc là, j'ai deux quêtes de tuer des Demonize, c'est pas pire, ça se combine. La Stupid Race, je vais la laisser tomber parce que je pourrais pas la faire, évidemment. J'ai pas envie de devenir fighter. Non, j'ai envie de devenir un ranger. Non, c'est ça. Mais là, je pense qu'il va quand même falloir que je me fasse une maison. Donc, on va retourner aux bases. Et on va se faire une petite maison. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Allez. On coupe du bois. Ça, c'est la base. Hein. On recommence derrière. Là, c'est cool parce que c'est un début d'aventure. Mais il y a des nouveautés et j'aime beaucoup ça, découvrir des nouvelles choses. Le sentiment qu'on a quand on joue à un nouveau jeu puis qu'on est comme émerveillé de tout ce qu'on voit, c'est assez génial. Donc là, je tue des lapins et ça me donne une XP, d'accord. Boum. Ça m'a donné 9 d'XP et il y a un autre stat que j'ai vu, mais je sais pas c'est quoi. Je vais augmenter mon dextérité encore une fois, parfait. Ça a toujours pas augmenté ma vie. Pas très grave. Coupe du bois, et je pense que je vais m'installer sa petite colonne ici. Ça va être en bas ici. Ça me semble être un bon endroit. Hop. Dégage de verre. Merci. Ça donne 3 d'XP de tuer un verre, ça donne 0 d'XP de tuer un lapin. D'accord, très bien. Très très bien, très bien. Et je vais m'installer ici vraiment. Ça me tente bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je vais y aller à 15. 10. Toi, tu dégages. 11, 12, 13, 14, 15. Je pense que c'est ça, 15. Hein. Si je suis pas trop débile. Là, ici, je vais mettre un escalier. J'ai pas encore de marteau, évidemment. Parce que je n'ai pas fait. Je vais établir. Est-ce que ça donne de l'XP de fabriquer des trucs? On va voir. Déjà, je vais me faire deux portes. Apparemment, ça donne de l'XP de fabriquer des trucs. Je vais aussi me faire un marteau. Donc là, j'étais à 772. J'ai rien dit, ça donne pas d'XP. J'ai rien dit. Hein. J'ai oublié ce que je viens de dire. 0 XP. Ah. Non, lâche-moi. Lapin dégage. Qu'est-ce que je fais? Ah! Tu deviens un loup-garou la nuit, toi. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un loup-garou un peu bugué, d'ailleurs, parce que quand il tire des flèches, ça bug. Les loups-garous ne sont pas faits pour tirer des flèches, apparemment. Pourquoi pas. Je vais me faire des torches, hein, déjà, parce que là, vous devez... Oh! Vous devez rien y voir. C'est quoi, potato, là, le jeu? Un bouclier! Bah, déjà, il y a des nouveaux items qu'on peut voir ici. Je vais tuer lui. Meurs, zombie! Parfait, c'est pas mal d'XP de tuer des zombies. Continue à monter ça, hop. Je peux me faire un bouclier, non, je vais me faire un bouclier tout de suite. Qu'on va mettre, je pense que c'est ça, non, c'est quoi? Block rate 10%, place one on the first inventory slot. Ouais. Ah! Est-ce que c'est genre... Ok! Parfait, donc là je peux me bloquer et ça me donne une chance de block rate de 10%. Cool. Use by holding. Ok, donc est-ce que je peux me battre en même temps? Non. Ok, donc parfait. Donc là je fais clic droit et ça me protège, ça c'est bien. Je vais faire des torches parce que là on n'y voit rien. C'est quoi Magic Stick? Magic Stick, d'accord. Parfait. On va mettre des torches ici. On va... passer comme ça. J'avais vu aussi le potato. Je pense que j'allais faire le potato launcher. Je sais pas qu'est-ce qui. C'est quoi que ça tire, évidemment, au lieu autre que des patates. Mais je suis potato like this one. Wait, that's not potato. Ça fait quoi exactement? Oh! Oh, what? Ok, ça tire une patate explosive, pourquoi pas? Je pense que ça va quand même y aller plus vite avec, avec l'épée pour l'instant. Hein. Le lance-patate a l'air un petit peu faible. Une tombe. Oh. Ok, donc quand ça va qu'on tue des zombies, des fois ça donne des tombes. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai raté cette quête-là, c'est pas trop grave. Bon, ben, tant pis. Hein. Je vais pas la reprendre puisqu'on n'a pas l'intention d'y aller tout de suite voir le Hold Man. Ça, je pense que je vais l'acheter, la pierre tombale. Ouais, ça va pas rien.
On va continuer à augmenter notre dégât à distance et... Oh! Oh! Ok, ok, là j'ai... Rip. Oh! What? Ok, il y a un temps de respawn. Ça c'est cool qu'on voit le temps de respawn, on peut même se promener en fantôme pendant ce temps-là, c'est une très bonne idée. Qui ont fait, hop. Dégager les yeux, là faut que je tue deux démonaires. Ah, je comprends comment ça fonctionne en fait. Ok, c'est parce que ça fait du knockback et... Ah, c'est intéressant. Pas très utile, pas très fort en fait, mais intéressant. Je vais quand même me battre à l'épée. Définitivement. Il me reste deux zombies à tuer pour finir deux quêtes. Parfait. Meurs zombie. Je fais assez mal d'ailleurs, zombie. Et avec la vie qui régénère pas, c'est pas très pratique. Bah merci. Parfait. Là, j'ai ramené deux quêtes. J'ai level up, je suis rendu niveau combien? Niveau 15 déjà, bon ok. Hop. Il me reste 8 yeux de démon à tuer pour mon Ranger Qualification. Sinon il m'en reste 5 à tuer, ben 4 à tuer pour 2 autres quêtes. Donc on va se focusser là-dessus. Boom. C'est amusant quand même le lance-patate. Pas très fort hein, mais amusant. Quand ils sont hors de portée, c'est toujours pratique. Toi, tu dégages. Merci. Toi. Merci. Parfait. Nous, on va essayer de tenir la maison déjà parce que pour l'instant, c'est moche. Cooldown is off. Ok, donc je peux refaire les quêtes. C'est une daily quest. Pas du tout. Pas du tout. Zombie attack, je vais la reprendre. Apparemment, je l'avais déjà fait, Zombie Attack, mais apparemment, je peux la re-avoir quand je veux, pourquoi pas. Oh, ça, c'est un bout de bois. J'essayais de placer un bout de bois dans la face, ça n'a pas été très efficace. Allez, meurs! Meurs, démon. Toi aussi. Parfait. Et on va finir cette maison, enfin. On va essayer de finir la maison, en tout cas. Hop. Là, ça va être vraiment une petite maison très basique quand hein, on n'est pas dans le CVT. Et c'était moche que je viens de faire, donc on va le faire au moins droit. Voilà, on n'est pas dans le CVT, donc je me permets de faire une maison vraiment basique. On en fera une plus belle plus tard. Garouk s'est fait assassiner, oui, c'est un peu là. Oh! Ah, c'est un lapin, mais coloré avec la lumière des. Ok. D'accord. Chose stylée, il n'empêche de pouvoir jouer un gobelin. C'est cool, ça fait changement. Meurs, merci. Je suis niveau 15, j'ai 4 points à mettre. Je continue à. Je maxer vraiment la dextérité. Hein. Ok, non, en fait, je m'étais trompé. C'est pas que ça augmente de 8 à la fois, c'est qu'on a plus 8 de base. Donc là, je suis à 26 de dextérité et à 13 de vitalité. D'accord. Quest. People at night, I have to make them stop. Bon, ok. Ça me donne 25 de copper et quand même pas mal d'XP zombie attaque. Ça peut donner des équipements aussi si je. Si je ne me trompe pas. Donc ça va être assez cool si on peut réussir ça. Il reste combien de zombies à tuer? Il en reste 6. Et des demonaires, mais des demonaires apparemment. Il n'y en a pas. Bon. Il n'y en a pas pour l'instant. On peut faire un Magic Stick aussi. Ça consomme un mana et j'ai pas de. Non, j'ai 15 de mana. Ok, j'ai 15, mais comme c'est pas 20, ça, j'ai pas un. J'ai pas encore de cristaux, donc voilà. Raccoon Box. C'est quoi ça? Ah! Ok, donc il y avait un. D'accord, j'avais une boîte avec du gel dedans, pourquoi pas. Intéressant. Oh, non! Merde! Ok, on perd de l'XP quand on meurt. Merde! Et on a un petit fantôme. Un petit fantôme humain, vous remarquerez aussi, on peut faire des fantômes encore pour les gobelins et toutes ces choses. C'est pas très très grave. On leur pardonne. Donc c'est bon à savoir qu'on perd de l'XP quand on meurt, parce que j'avais pas remarqué la première fois, mais ça peut devenir assez dangereux. Mais pas dangereux, mais ça peut devenir assez pénible de mourir. Hop, allez, on va remplir ça. Il va m'en manquer évidemment.
Et ouais, toi. Est-ce que je peux taper sérieusement? Oui! Haha! Haha! Fear! Souffre! C'est trop long, ça vaut pas la peine. Le gun à patate est vraiment faible, il va me falloir un arc que je peux déjà faire, je pense. Arc, non? J'ai plus assez de bois. Il me faut du bois. J'ai pas du bois. Et là, si j'en déduis bien, c'est le jour qui vient de se lever. Je ne suis pas certain. Mais je pense que oui. Hein. Non, pas du tout, il y a encore des zombies. Je sais pas pourquoi je pensais que les lapins spawnaient juste le jour. Apparemment, je me suis trompé. Allez. Oh, ça m'a donné un silver, ça. Cool. Fighter, Ranger. A ranking 0 supérieur. Ok, bon, tout. Je pense qu'on va faire les petites quêtes de base parce que là, c'est quoi? Acquired for the noob quest. Ok, mais ça me dit pas ce que je dois faire. Il est pas là. Une quête pour les noobs, mais je sais pas ce que ça veut. For the noob. Be the hero of the newbie and gain a neat reward. Ok, mais c'est quoi? Ok, 9 zombies. Ah, ok, voilà, voilà. Ok, je te joue un peu avec, en fait. Parfait. Classe, zone, et... Oups. Parfait. Ensuite, les zones. Et party. Parfait. Donc, j'avais déjà regardé ça. Ça m'a donné de l'expli gratuit, en fait. C'était les quêtes de tutoriel. Donc, voilà. C'était les quêtes, en fait, de tout aller regarder ce qu'il y avait là-dedans. Parfait. Là, il me reste For the Noob. Hop. Oh. The healing effect of his set proved to be demi-useless against the moon lord. Donc l'effet de heal de son équipement était à moitié inutile contre le moon lord. En effet, le healing est très inutile contre le moon lord. C'est le jour qui vient de se lever pour de vrai cette fois-ci. Je pense qu'on va se laisser là, donc on va faire des petits épisodes d'une journée. Et on ira explorer un petit peu plus, donc c'était quand même assez intéressant, j'aime ça date. Des nouveaux items, juste me faire un arc à flèche, hop. Voilà, et prochain épisode, on va pouvoir se battre à l'arc. Là, on va faire notre petite première cible. Oh! What? Ok, ça a dû retomber en fait. Oh, j'ai beaucoup plus de range apparemment que normalement, donc ça c'est assez cool. Ça doit être parce que j'ai augmenté beaucoup, mais... déjà, je dois avoir des points à mettre, ouais. Ça doit être parce que j'ai augmenté beaucoup ça. Est-ce que ça augmente le range? Pas du tout. Mais je sais pas trop comment ça marche. Mais c'est pas très grave. Tout de même, on va essayer, c'est là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour me dire si vous appréciez cette série ou pas. Ou un je n'aime pas si vous n'aimez pas cette série, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Donc là, mon arc est où? Je joue mon arc. Faut que je me batte à l'arc à partir de maintenant. Je suis un ranger. Ah, merci. Et aussi, allez voir... allez voir. Vous pouvez aller voir ma page Facebook aussi qui est dans la description comme d'habitude. Donc, une nouvelle page où je mets les sorties des vidéos et d'autres trucs. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cette série va vous plaire. Moi, pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Sharda. Allez, au revoir tout le monde. Meurs. Non, meurs. Au revoir.